Bonjour, je suis François Chartier, créateur d'Harmonie, cofondateur du Chartier World Lab à Barcelona. Nous sommes à Barcelona. Grand moment aujourd'hui, invitation du Festival international de jazz de Montréal. Je suis natif de Montréal, j'ai vécu une grande partie de ma vie à Montréal. Aujourd'hui, je vais à Barcelone depuis 5 ans et il y a un projet qui est né dans cet esprit ici créatif, curieux. Il y a une 15aine d'années, j'étais dans mes recherches pour créer cette nouvelle science d'harmonie moléculaire et j'ai découvert dans la littérature scientifique, pour étudier les molécules aromatiques des aliments et des vins et de toutes les boissons du monde, il y a certaines opérations de machines qu'on utilise, qui est une, entre autres, spectroscopie infrarouge qu'on utilise pour pouvoir comprendre l'empreinte digitale des ingrédients et des liquides. C'est en fait très facile à comprendre. On envoie un faisceau lumineux, donc un laser, dans cet appareil-là. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait vibrer les électrons dans les atomes, donc infiniment petits, de ces aliments-là et de ces liquides-là. Quand j'ai commencé à lire ça, je dis vibration. Qui dit vibration, dit musique. Je suis un grand passionné de musique depuis toujours. Je me suis dit, ah tiens, il y a quelque chose là qui fait un lien avec la musique. Continue à lire et on découvre que on arrive à trouver les valeurs de ces vibrations-là sur une échelle de 4000. Ah, je dis, tiens, on a peut-être le piano de la vie, le grand keyboard of life devant nous, ces 4000 valeurs-là. Les mois ont passé et dans ma douce folie créatrice, je me suis dit, pourquoi pas transposer ces 4000 valeurs-là sur un clavier de piano de 88 notes? Alors, on a fait des essais et on écoute les 9 notes d'un ingrédient quelconque. On écoute les 9 atomes ou les 12 atomes juste en jouant les notes et on entend une musique. Et de ça, on s'est dit, ah tiens, je tiens un projet que j'ai appelé Molécule musicale. C'est ce qu'on vient présenter au Festival international de jazz de Montréal avec l'aide du Festival international de Barcelone, car Joan Anton Carrera, qui est un de mes grands amis, il nous a aidés à trouver les musiciens, à s'organiser à Barcelone pour pouvoir le faire. Et puis, on a décoté 3 musiciens exceptionnels de réputation internationale. Michael League, qui est le fondateur et le multi-instrumentiste de Snarky Puppy, grand groupe jazz. Marco Mesquida, multi-instrumentiste, mais surtout compositeur, improvisateur, pianiste incroyable, chef d'orchestre, avec un esprit très ouvert, très contemporain dans sa démarche. Et puis Elia Bastida, jeune violoniste qui a commencé le violon à 4 ans, qui a fait les grandes écoles de musique en Catalogne, qui n'a pas encore une carrière internationale, mais ça ne saurait tarder. Et j'avais envie d'avoir une texture de violon, avoir la sonorité du piano, qui est l'essence même du projet Molécule musicale, et d'avoir la basse enveloppante de Michael. Ce qu'on a fait, je leur donne, vous allez voir, je leur donne les notes de musique extraites d'aliments et de liquides juste avant. Ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent totalement. Ils ont joué le jeu et ils doivent improviser pour voir s'il y a un lien entre les aliments, les liquides desquels j'ai extrait ce que j'appelle l'empreinte acoustique. Molécule musicale. Merci d'être là. Merci au Festival international de jazz de Montréal. Vive Barcelone, vive Montréal et vive la musique. Thank you.
las sensaciones son de curiosidad, ¿no? De expectante por saber de qué nos va a hablar François. No sé nada de verdad de estas moléculas musicales de este experimento y de este encuentro. También expectante por jugar y compartir con Elia Bastida y Michael Lee, que nos acabamos de conocer y en este lugar estupendo en su estudio. Así que nada, curiosidad y expectación. C'est la signature de l'ingrédient ou du liquide. Donc, et de ça, ça nous donne des numéros sur 4000, de 0 à 4000, que je transpose par un calcul sur un keyboard de piano de 88 notes. Donc, on fait une transposition directement et ça nous donne au final des notes. Ici, il y a 9 atomes dans ce qu'on a sélectionné, l'ingrédient ou le liquide. Et qui part du deuxième octave au troisième octave. Ça veut dire que ici, si je reviens en arrière, ici, on est au premier octave. Et après, on est au deuxième et au troisième octave. Mm-hmm. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je les ai mis exactement. Il n'y a rien dans le premier octave. Tout est dans le deuxième et dans le troisième, selon les chiffres qui ont été extraits et que j'ai transposés de 4000 à 88. Hein? Mathématica. Alors, on a des notes. Ce qui serait intéressant, c'est de jouer les notes une après l'autre, juste comme ça, pour voir si on entend, okay. Si on entend quelque chose et si ça t'inspire, et après, improviser sur ces notes. Et c'est la deuxième octave, c'est ça, peut-être, ou c'est de là, d'ici là? Non, de là, oui. Ouais. C'est la première octave, la deuxième, c'est... C'est ça, la deuxième, la troisième octave. C'est pas mal, hein? Oui. Et ça vient d'un ingrédient, là. Et donc, il y a un ingrédient qu'on a passé au spectroscopie, à infrarouge, qui nous a donné des numéros, qu'on a transposés au piano, et ça nous donne déjà quelque chose. Moi, j'entends quelque chose. Je sais pas, j'imagine toi aussi. Et là, ça pourrait être intéressant d'improviser, si tu veux bien, sur ces notes. Oui, comme tu veux. Molbe, c'est incroyable. Es musica de la natura, hein? C'est la musique de la nature. Parce que là, c'est des notes qui ont été extraites d'un ingrédient. D'un ingrédient. Ouais. Tu veux savoir c'est quoi, j'imagine. Ou t'as une idée ce que ça peut être? Non. C'est un peu arabe, peut-être. Un peu? Arabe. 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 Ah ouais. Voilà. Ah ouais, c'est intéressant, absolument. Moi, j'entendais comment tu as joué. J'entendais comme une course folle un peu à certains moments et très légère. Et après ça, ça devenait très complexe, mm-hmm. beaucoup plus chargé. Mm-hmm. Et puis, tu es revenu plus léger. Mm-hmm. Ah, t'es passé comme... Je l'ai reçu comme ça. Hein, oui, je sais pas... oui. Donc, j'ai reçu comme ça. Ça me fait penser en partie, pas en totalité, à l'ingrédient qui est là. Alors, puis l'ingrédient qui est là... Framboise, ah, la framboise. Oh. Donc, tu peux en prendre deux, non? Tu peux en manger, elles sont propres, elles sont belles. Oui, je ne sais pas si tu aimes les framboises. Mmh, oui, bien sûr. J'adore. Hein. J'adore les framboises. Voilà, c'est réglé. Marco Mesquida adore les framboises. Mmh. On met ça là?
Ça ne va pas changer le son sur le piano. Acides. Fresco. C'est très frais. Oui, c'est ça. C'est comme si, pour moi, c'est comme si on était passé de la framboise fraîche, dans ce que tu as joué, à la confiture de framboise. Mm-hmm. Il y a la cuisson, et c'est, la confiture, ça devient plus riche, plus sucré. Bien sûr, c'est dans ma tête, et c'est parce que je savais très bien ce que c'était la framboise, qu'on a analysé, hein, qu'on a analysé le raspberry, qu'on a analysé directement. Je ne sais pas, là, si tu prends les mêmes notes qu'avant, ces notes-là, sachant que c'est la framboise, qu'est-ce que ça t'inspire? Différent? Je ne sais pas. Avec ces notes-là, est-ce que, vu que tu manges la framboise, ça t'amène ailleurs dans la musique ou... Je ne sais pas. Je demande. Non, c'est un bon exercice de jouer tout seul en deux octaves. Oui. Quelquefois, j'imagine... De sortir. De sortir là-bas. Mais vas-y, tu peux le faire comme tu veux. Si tu avais composé sur la framboise et en jouant quelque part avec ces notes-là et tu peux sortir, est-ce que tu es, qu'est-ce que ça donnerait? Mm-hmm. C'est un champ de framboises au complet, un grand champ de framboises. Hein? À perte de vue avec les enfants qui cueillent les framboises et les adultes qui mangent les framboises et aussi qui sont en train de mettre les framboises dans les pots pour l'hiver. Hein? Il y a un peu de tout ça, je pense. Hein? C'est très inspirant et de voir que ça reste dans le même pattern, tout en débordant, mais toujours dans le même pattern. Ça montre que, encore une fois, on a réussi à extraire des aussi subjectifs que c'est, de prendre les numéros de wavelength, hein, tu vois, et d'amener ces données-là en chiffres et de les amener sur le keyboard, et on arrive à exprimer la framboise avec ça. Ça me plaît beaucoup. Avec ton style, bien sûr, hein, chaque musicien, Elia, elle a fait avec son style. Tu es un grand amateur du Japon. Et tu as fait un album autour du Japon. Oui, oui. Le hasard fait bien les choses. La framboise partage les mêmes molécules dominantes que l'algue nori. L'algue nori, c'est l'algue pour les sushis. Oui. Tu peux en prendre si tu veux, si tu aimes manger le nori comme ça, sec. Donc, ça sent pas la framboise, l'algue nori. Mais il partage exactement les mêmes molécules, les bêta-ionones, alpha-ionones, qui sont un nombre de molécules, que la framboise. Ah oui. Donc, ce qui veut dire qu'on peut, on peut faire un repas inspiré de nori seaweed, donc et de framboise. Mais peut-être que l'algue nori t'inspire autre chose en gardant ces notes-là ici, en gardant le même profil que la framboise,
Oui. Des notes, comme la framboise partage des molécules avec l'algue nori. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose de japonais ou pas, ou autre chose. Mm. C'est bon, l'algue nori, hein? Mm. Mm. Et ça, les saveurs iodées. Mm. Mm. Ça goûte la mer. C'est très, très bon. Ça ne goûte pas la framboise. Mais là, c'est de l'expérience. C'est la grande expérience. Je vais mettre ça ici. C'est de prendre une framboise. Je le fais pour toi ou je te montre et tu le feras. C'est de mettre les deux comme ça. Mm-hmm. La framboise, ça, et la gonorrhée. Et tu fais comme un bonbon et tu manges comme ça. Incroyable. Creo en 2007, j'étais un consultant de Ferran Adrià chez El Bulli. Et Ferran travaillait sur la gonorrhée. Et j'ai partagé toutes les molécules, les ingrédients qui partagent les mêmes molécules que l'algue nori. Et Ferran disait, framboise, framboise ça, algue nori. Non, c'est dans aucune culture. Et il a fait un temaki d'algue nori avec purée de framboise et eau de violette. Parce que la violette, c'est la framboise aussi. Voilà. Voilà. Ahora, ¿viste? Avec le même nom? Oui, dans le même pattern, mais... Par contre, qui t'inspire ça? Tu peux aller ailleurs si tu veux. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce que tu viens de manger? Mm. Incroyable. Et c'est le Japon de Hiroshima, mon amour, le Japon ancien, en noir et blanc. Et c'est aussi le Japon contemporain, au début, quand tu as commencé. Oui, très contemporain,
avec un peu quand on rentre dans les temples japonais, à Kyoto, à Kobe, dans les temples, quand on marche sur les tatamis, le bruit, on entend presque ce bruit-là. Et il y a le théâtre no aussi, le théâtre no japonais qui est particulier. Il y avait un peu tout ça pour moi. Mais c'est ton inspiration de l'union entre la gonorrhée et la framboise. Oui, oui. Et ça, c'est pas mal. C'est l'expression de la... Ouais. De... Ah non, c'est puissant, hein, c'est... Et en plus, parce que c'est jamais fini, l'algue nori, la framboise partage des arômes, des molécules, comme l'algue nori, avec l'algue nori, mais aussi avec les vins de Mencia. Ici, c'est comme le Mencia, c'est le berceau. Ici, c'est Cassia et León, mais il y a le Mencia, qui est un cépage très noble qu'on a ressuscité dans le berceau. Mmh. Alvaro Palacio et tous ces grands vignerons, Raúl Pérez. Mais ici, c'est un vin que je fais avec la Bodega Fuentes de Silencio et Chartier. C'est des vieilles Mencia de 80 à 150 ans d'âge. Donc, des très, très vieux cépages. Vraiment, jusqu'à 150 ans. Donc, je vais l'ouvrir et on va voir si qu'est-ce que ça t'inspire. Je sais que tu aimes le vin. Et voir si ça te... C'est la Mencia qui est ici avec des très, très vieilles vignes organiques qui est des arômes avec énormément de fruits. Bien sûr, des fruits rouges, des fruits noirs, mais avec des pointes épicées, un peu poivrées et avec une texture assez pleine en bouche, mais un peu comme du taffeta, une épaisseur veloutée. C'est les mots que je prends pour le dire. Hein. Après ça, ça vaut ce que ça vaut. On a chacun notre perception. Mais... Voilà. Oh, merci. Tu as des arômes même un petit peu sauvages. Oui. Hein, un peu wild, aroma. Et le poivre, les fruits noirs, la canneberge aussi. C'est les vieilles vignes. C'est pas moi, c'est les vieilles vignes de 80 à 150 ans. Ça donne... Pff, c'est comme à l'attaque, c'est très riche, mais après, c'est très fin, très élégant. Donc, c'est comme une attaque qui fait poum, et après, rapidement, c'est très élégant, très frais, très long en bouche. Je sais pas, peut-être que ça t'inspire encore une autre pièce, tu verras. C'est bon, tu aimes ça?
Incroyable. Alors, buena, gracias. Et c'est écouter pour boire la mencia, écouter pour boire le bierzo. Hein? C'est ça. Hein? J'ai l'impression que t'as vidé la bouteille. T'as bu la bouteille tout seul. Pas la bouteille, mais j'ai senti 6 gorgées. Oui. Puis à chaque gorgée, c'est comme un mantra. Ce que tu as joué pour moi, c'est que tu recommençais. Mais toujours un peu plus complexe, comme s'il y avait des couches d'arômes, de saveurs. Quand on boit, on prend une gorgée, là, ça nous imprègne, et le temps passe, on reprend, et là, j'ai senti ça. Tu sais, comme tu ajoutais à chaque fois. On était dans le même... comme un mantra. Puis à la fin, ben, le temps s'égrenait, c'était les dernières gouttes. C'est ça, hein? Waouh! Marco? Merci. Salut, merci à toi. The truth is, I have absolutely no idea what is going on here, other than the fact that I'm here in my house with two wonderful musicians, and I've seen boxes with wine glasses in them, and a cooler, and that's it, actually. And actually, Elia and Marco, I'd never met either of them until today, even though Marco and I sat next to each other at a concert several months ago without knowing each other. I have really absolutely no idea what's going to happen. My colleague will come to your studio. Thank you for inviting me. Yeah. This is your studio, northwest of Barcelona. Yes. Amazing. Thank you. Thank you so much to have led the space for this crazy ideas of musical molecule and to share that with Elia and to Marco. Absolutely. And yourself. Thank you so much. My pleasure. We have already done the explanation of the science, so now we welcome you. I have extracted the wavelengths of something. Cool. Maybe first, play the notes from the first to the end. Sure. Just to see if we hear something. I will tell you after what it is, but not for now. Okay. Just to see if we, So it's like a scale. Yeah. So if there's a repeated note, I play it twice. Yeah. Okay. Definitely. Okay. So I'll just go in three octaves, I guess. Yeah. Okay. So. First octave? Yes. Okay. Second octave? And then in the third octave, I guess they're all in the same octave, I'm just ascending, right? Or should I do it actually in the second? I should have done it in the second octave. So the second octave would be... Voilà. And then the third octave would have to be here because I don't have those notes up here, so. So, right. Thank you, huh? Yeah, you've done it great. That's why I spent money on 4 years of jazz college, you know, so I could, it's all leading up to this. So from that point, whatsoever, you can choose and play around those notes and different octaves. And is that just by hearing the sound of the different note now inspire you something? And after that, I will tell you what it is, exactly. What I'm playing. Yeah. And then we will see if there's a link. Culinary manifestation of what I'm playing. Culinary manifestation. Okay. I like that. This is exactly what it is. I read that in your book. Mine. Okay, cool. Okay, so just kind of play around. Yeah, and see whatsoever, yeah. Ooh, okay. Huh. I'm gonna go through them one more time just to get it in my ear. Yeah. Thank you.
Wow. It's very interesting, yeah. Actually, the relationships. Wait to see what it is, but you can, yeah, go on. I don't even know where the key center is, but I hear a center. I guess F kind of. Yeah. Yeah, it's all kind of in there. It's really interesting. The chromaticism is the most interesting thing to me. Right in the low octave. With this is like really stable. The C and the F is very stable on the high end, right? But you can go. And then it really feels like, yeah, that's super cool. What am I playing? Can I eat it? yeah, for sure. It's not to drink. It will be to drink, but it's for eating. Okay. It's very interesting because when you start playing, I know what it is. So yeah. I didn't find what it is. And then you start doing more chords, you know, and finding the key center and say exactly what it is. Wow. You will see. And what it is? Black truffle. Wow! Awesome. This is black truffle. Oh, really? Wow. This is not the season, so they don't smell as usually. It's black season here is February, March, you know. But this is black truffle. Wow. So maybe you can just go back on what you were playing and try to see how it can be related to black truffle. Wow. It's funny because I just came, the last trip I did, I came from Italy, from Perugia, and I bought like for sure, 10 truffle, different things, truffle with like tomato, truffle honey, like all this. Yeah, they do everything. Yeah, it's Perugia, it's amazing. I went there many years ago. Yeah. It's a center of truffle. Yeah, they grow truffle, which is very rare in the world, but they have a wild truffle also. And this is, but truffle is one of the most complex ingredients in the world. There's so many molecules here, you know, it's so complex, so rich. So, and that's why when I said when you went near the end, you were playing more chords and finding, for me, was something. The truffle was clear. Yeah, it's a boom, you know, it's getting in your mouth, it smell, you open, usually when it's the season, we open that and all the room smelling truffle. And, you know, so that was, will be interesting. Now you know what is truffle and you went to Perugia. If you take the same pattern, what will you do? Yeah. I don't know. Now that do I different? Know what it is. Yeah. I don't know. I actually don't think so because for me now after improvising with those notes, there's an identity it's linked to there that is now kind of in my brain, like a sonic identity for these notes based on these molecules. So, I mean, for sure there are other ways that I could approach it. But for me it feels kind of like already like fixed. It is truffle. Yes. but wait, what's very interesting here, maybe not. If we link that to my aromatic science of molecular harmony, there's some other ingredient and liquid beverages who share the same dominant molecules, aroma of truffle. And one of this ingredient, I will show you. Sorry. A banana. Has the same molecular structure. Not everything, but one of the molecules is the same in black truffle and banana. Yes. So will be interesting to see what's banana inspire you if you go back there. Wow. What's the tempo? What's the mood of a banana? Of a banana. But with the same kind of notes. Okay. Oh yeah. Banana.
I don't know. It felt like a banana to me. That's for sure. Huh? Weird. Interesting. Weird, an apple a day keeps the doctor away, but a banana a day don't keep the musician away. And it was very interesting, the concept of applying molecular structure to musical scales, and also kind of challenging to create something, especially together, because there are so many possibilities, I think, when it comes to musical direction, you know? But when you have notes in a scale as a guide, it kind of informs the decisions that you make. Oh, that's great. It will be interesting to go back just a couple of seconds to the truffle, what you've done with the truffle, for the people who will listen to see different banana the difference and truffle. Between the truffle. Oh. Whatsoever. Just. Yeah. I think I was. I think it was wasn't in tempo, right? So. But it still feels to me like it feels to go like back still, to banana. It still feels like the same song, actually. I think because of the. Yeah. I mean, I guess that's what notes in a scale do, right? They kind of tie things together in a certain kind of way. I think that's incredible because they, again, this is linked related to the wave numbers that we get out of the black truffle. And then put that on the keyboard, have notes, and then I link that to my aromatic silence, went to the banana, and we still have the same pattern. We can have the same pattern. Yeah. There's a subjectivity part of that, but. Yeah, I mean, I already feel like you add one thing to this and you have like an incredible plate, whether it's like something obvious like ice cream, like banana and black truffle ice cream, or something way less obvious, like some really, third, like kind of left field third ingredient that would, I don't know. Let's do it. Oh. Let's do it. But it will be a liquid one. Oh. It's a sake. Oh. Because Junmai sake share exactly the same molecule, dominant many molecules of black truffle. Awesome. And one molecule of banana. Really? So this is a sake I do in Japan. I have this opportunity to making sake at Tanaka, which they have created a new sake called Tanaka 1789 Chartier, which is a Junmai. Okay. It's a blend. The blend idea doesn't exist in Japan because the purity of the Japanese people. And here I bring the blend identity, making sake differently also. And here we have you will see, you will taste it, you will experience, and we'll see if we can find a way that it share exactly or not the same. Michael. Thank you very much. Kanpai. Kanpai. Wow. You smell the aroma of anise-like aroma, some pear, honeydew, a little bit of coconut. I mean, this is like, I've never had any sake even close to tasting like this. It's wild. Thank you. I mean, it's so different. Thank you so much. We didn't know, you know, I went in the swimming pool and bang, I went there for the first two, they asked me to do one sake. The history is that, and I said, yeah, I can talk for sake for 3 days if you want, but talking and making is two things. Of course. It's like talking about music and making music. Yes. So they said, come,
you will find something, you're always the one who see that what the other don't. So I got this ability of seeing things differently. So I said, okay, let's go see. I'm in love with Japan, so let's make a trip and let's go see. I passed there after 2 days with Nicolas, which is our collaborator. We went there and I said, wow, there's no blending story here. And blending is the moment where the wine, the whiskey, the champagne, the sherry take its soul. It's augment, magnify, multiply the qualities of different things. So I start doing blend and we done great things. So I said, okay, we have an experience and we have a storytelling. Yeah. So I made them taste and they said, okay, you won't do only 1 sake, you will do many sake. Yeah, of course. See, let's try first. And that's our first sake. Congratulations. Kanpai. Yes, thank you so much. Arigato gozaimasu. Wow. But now I hope this inspires you something. You got to go back on it's music. It's inspiring a little me to bit. Drink more. To drink it. Not to play. I love it. I like it. I love it. Wow. Ooh. Yes. It is. Oh. Japan is there. Chugo. Yeah. That ended up in a weirder place, but I feel like F. Wow. Weird. Yes, wonderful. No, cool, man. Sake inspiration. Yeah, man. Yeah, Junmai Samurai. Yeah. Yes. A couple more glasses and God knows where it'll go. Thank you very much. Thank you so much, Michael. Thank you, this man. This is great, very generous of three of us, of you. To share that, not share your all. Music, your inspiration,
accepting playing without en français without a net, you know. Yeah, that you didn't know what we were doing today, and then just showing notes like that and trying to fool around with that. And merci beaucoup. No, vraiment. À vous. So for me, it's very important that I put limits for myself, so that the challenge becomes, what do I do with the thing? Yeah. Not what is the thing. Mm-hmm. It's like the thing is determined, and the art is, how do I manipulate, how do I operate within the... Mm-hmm. Absolutely. We can see it's organized improvisation. Right, yeah. Because it's all, when you're written, it's about improvisation. Of course. I think, huh? Yeah. Yeah, but even when someone is improvising freely, I feel like the thing that attracts the listener is organization. Mm. Yeah. Always. At the end. Right? It's like, it's sensing patterns, right? Like, as a listener, like observing patterns and observing, oh, they did this and then they did that, but slightly differently. And you can't say that if you haven't observed the pattern initially, right? So, you know, I think we're constantly organizing as brains. So this is not so different. I do the same. That's why I use science to organize my brain. If not, we... Okay. Thank you.
Wow! I can feel the bitterness of what it is right here, the noble bitterness of what it is, the dryness, the earthy aroma of what it is. The coffee torrefaction burned aroma. Oh, wow. The acidity that's coming one time in the middle of the palate, and then it disappears. It's not there to start, disappear. And then the long, long aftertaste, so long. And the scattato, you know, bang, dang, dang. It's like the knobs of chocolate. Ah. Wow. Ta-da! Ta-da! Yeah. Dark cacao berry, chocolate. Yeah. 80% chocolate, cacao, more. They can take one, for sure. Go ahead. Chocolate is one of the most, if not the most complex product, I would say made by human, because there's a fermentation from the cocoa beans. They are dry, they are fermented, and then, you know, torrefaction and all of that. So what is coming from, yeah. So good. And this, this is related to the same molecule of a stout beer. It's a stout beer, but Mediterranean one with ingredients only from Mediterranean shore. But I've changed the path completely by not using licorice. There's always licorice in stout beer. That's what's giving the vibrancy. Oh, really? Here there's fennel. Wow. And it is related to chocolate. Totally. Totally. And there are quite a few chocolate stouts, actually, in the world. Exactly. Right? They use chocolate to all in the production, or they just make a stout that will go with chocolate. Wow. So, cheers to you. Cheers. Cheers. Merci beaucoup. Merci. Cheers. Yeah, absolutely. Thank you so much. Salut. Cheers. Thank you. Cheers. Marco. Yeah. Friends. Yeah, wow. Pues la verdad es que ha sido muy impresionante, porque no me esperaba esta relación tan no sé, fresca entre las bebidas y la comida y los sonidos, ¿no? Porque nos han dado estas notas y de repente he visto la conexión entre una cosa y la otra. Y también tocar con ellos y crear entre todos esta relación ha sido, no sé, una experiencia súper bonita que no olvidaré. Bueno, menuda experiencia, menudo regalo poder estar aquí con esta familia que se ha creado, qué verdadera maravilla y qué emoción cuando uno es consciente de saborear y de sentir la mezcla. Yo la frambuesa con el alga nori ya me ha dejado loco, y después con ese vino delicioso y después este sake y la cerveza. Realmente son todo conexiones, ¿no? Y la sensibilidad se dispara. Y creo que, bueno, humildemente con la música hemos conseguido conectar, primero individualmente, después colectivamente, con esta especie de consigna de las notas, que son estas frecuencias de estos ingredientes que hacen que sean parecidos, hermanos, como de un mismo ADN. O sea que es absolutamente emocionante, único, curiosísimo, interesantísimo, todo un camino científico apasionante, pero a la vez estético, a la vez absolutamente sensorial. But it is fascinating to think about where we put borders between fields of art. You know, that we say music is this, and dance is this, and theater is this, and acting is this, and food is this, and architecture is this, but actually I think maybe we can move those borders around significantly, and I think that's what Francois is trying to do. I think it's very interesting. And also I'm just glad that I get to drink this stuff right now, most importantly. I don't know what to say. We just live an amazing experience. It was 15 years I was waiting to do that show. Yes, 15 years, because I had the idea when I was researching about molecules to understand gastronomy and the molecular level, aroma,
molecular level. And I found this idea of making music from the acoustic footprint of food and wine and beverage and sake, beer, everything. So, and I had that in mind, and then I start building music, notes, score from that. And then, whoop, I got this phone call from Morin from the Montreal Jazz Festival a couple months ago. And he knows about that many years ago, so he asked me to do it. And I linked that to the Barcelona, where I am living since 5 years, with my very, very, very good friend, Joan Anton Cararac, which is the director artistic of Jazz Festival. And now, bang, we have those musicians. Michael Lee from Snarkin Poppy and all the project he's doing, Marco Mesquita and Elia at the violin with all the magic, and accepting to play without net. Huh? De jouer sans filet, improvising on those notes. I was so nervous since 1 year, 1 week, because it was a nightmare at home, I'm sure, because so nervous, because I didn't know how it will turn to be. I know years ago we have done once time with François Dompierre in Montreal, doing the things of Raspberry, Nori, Seaweed, and it was amazing. There was a fugue of Bach and all of that. But I didn't know for the other one how it will turn to be. Will be tonal or atonal, will be music or no. But have you just heard some things happen today in my colleague's studio with Marco and Elia, and making alive beer, sake, wine, food, truffle, black truffle, chocolate, and all of that. Thank you, life. That's the only thing I can do. Thank you, Montreal. Thank you, Montreal Jazz, International Jazz Festival. And thank you to the music. Cheers. Arigato gozaimasu.